Vous êtes? Allô? Moi, je laisse parler. Après, il raccroche. J'ai posté sur mon compte Instagram une photo de moi au mur des lamentations cet été en faisant un texte en disant que je condamnais je condamne de tout mon cœur le terrorisme, que le terrorisme tue les musulmans, tue les juifs, tue les chrétiens, en fait, tue tout le monde. Que le terrorisme, pour moi, n'est pas, pour pas faire d'amalgame, bien évidemment, ce ne sont pas des musulmans. Les terroristes n'ont pas de religion, n'ont pas d'âme, et que je condamne tous ces actes de barbarie et que j'apporte mon plus profond soutien aux Israéliens, aux Juifs du monde entier, puisque je pense que chaque Juif du monde entier est meurtri de ce qui s'est passé. Je suis juive. Je me suis mariée en Israël, donc c'est un pays où j'ai ma famille là-bas, j'ai des amis là-bas, c'est mon pays de cœur, je m'en suis jamais cachée, donc il est normal que ce qui se passe, c'est terrible ce qui se passe, et j'ai dit ça sur mes réseaux sociaux, et alors là, ils ont publié mon numéro de téléphone dans des groupes Telegram de prisonniers, où ils sont 7500, des groupes Telegram où ils sont 15000, où ils ont fait des appels à ma décapitation. Donc mon numéro, il a été envahi de comme ils ont donné mon numéro de portable, de messages très violents, voilà, et très antisémites, du coup forcément. Et c'est triste, c'est très triste. Ça n'arrête pas, quoi. C'est toutes les secondes, toutes les minutes, plus sur mon téléphone, sur mon WhatsApp, sur mon numéro, parce qu'ils ont balancé mon numéro partout. Donc j'ai transmis via mes avocats au parquet tous les messages de menaces vraiment fortes, c'est-à-dire les menaces de décapitation, d'appel à la mort. Bien sûr, j'ai peur. Ça fait 3 jours que je dors quasiment plus parce que d'une, je pense à ma famille et à mes amis qui sont là-bas. En étant ciblée comme ça dans des groupes Telegram avec les messages que je reçois, qui ne craindrait pas pour sa vie? Qui n'aurait pas peur? J'ai peur, mais je refuse de céder. Parce que je reçois des menaces, alors je vais retourner ma veste, je vais changer de discours. Non, le terrorisme, il faut le condamner. Le terrorisme tue tout le monde, tue toutes les religions. Quand ils sont allés au Bataclan et qu'ils ont assassiné des gens, vous croyez qu'ils leur ont demandé « Est-ce que t'es musulman? Est-ce que t'es juif ?» Ils ont tué tout le monde. Les juifs et les musulmans doivent être plus soudés que jamais en ce moment pour combattre ce fléau-là.